La compétition internationale de rugby fauteuil revient à Toulouse pour sa 5e édition. La compétition internationale de rugby fauteuil revient à Toulouse pour sa 5e édition. La Rock'n'Rose Cup, compétition internationale de rugby fauteuil, créée par le Stade Toulousain Rugby Antisport, STRH, sera de retour à Toulouse pour sa 5e édition du 31 mai au 3 juin. Parrainée par Vincent Clerc et Yannick Josion, la Rock'n'Rose Cup opposera au Palais des Sports de Toulouse 6 équipes venues d'Europe et d'Amérique du Sud. Le Stade Toulousain Rugby Handisport, qui n'a encore jamais soulevé le trophée, sera cette année opposé au Gladiador, Brésil, aux London Crusaders, UK, France, au Flying Dutchman, Pays-Bas, au Prague Robo, République Tchèque, et au Red Lion, Allemagne, Luxembourg. Le moment fort de cette compétition sera indéniablement le crunch qui opposera le STRH aux London Crusaders, vendredi 1er juin à 18h30, entrée libre et gratuite. Fort de 8 titres de champion de France, les Toulousains tenteront de remporter enfin cette cup qu'ils ont créée. Un vrai challenge dans la mesure où les Anglais aligneront de nombreux joueurs internationaux dont David Ross, véritable espoir du rugby fauteuil anglais.